Bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici les titres de ce mercredi 17 avril. Les 12 hommes qui sont actuellement jugés à la cour d'assises de la Martinique ont commis 13 braquages en 10 jours. Maryse Condé a donc eu les honneurs de la République, au point que certains réclament qu'elle soit enterrée au Panthéon. Les statistiques de l'INSEE sont arrivées et elles sont plutôt accablantes pour la Martinique dans le domaine sportif. Dans votre avis compte, vous répondez à cette question cette semaine. Nous manquons d'eau. Qu'en pensez-vous? Et enfin, le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « La faillite de l'État ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, selon les chercheurs, la ménopause entraînerait une fonte de la masse musculaire appelée sarcopénie. La sarcopénie est une problématique de santé majeure qui se caractérise par le déclin de la masse et de la fonction des muscles squelettiques. Elle survient dans le cadre du processus de vieillissement. À la ménopause, les femmes connaissent une perte annuelle de masse musculaire de 0,6%. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne, il devrait en être de même demain. À Fond-du-Clos, dans la commune de Schœlcher, le forage d'une source déborde à tel point qu'à certains moments, c'est une véritable gerbe d'eau qui se disperse dans la nature. Cette eau, dont l'ARS n'autorise pas l'utilisation, une fois traitée, pourrait, selon Daniel Chaumet, un conseiller municipal de la ville, assurer avec les sources de Fontlaillet et de Lens-Madame la moitié de la consommation d'eau des habitants de la ville. Aujourd'hui 17 et demain 18 avril 2024, le PNRM, Parc naturel régional de la Martinique, en collaboration avec la Chambre d'agriculture de la Martinique, réunit les acteurs de la filière porcine du territoire afin de définir ensemble les éléments de caractérisation de la race du cochon créole de la Martinique, contribuant ainsi à la structuration d'une filière locale d'excellence. Je vous le disais en titre, les 12 hommes qui sont actuellement jugés à la cour d'assises de la Martinique ont commis 13 braquages en 10 jours. C'était en 2017, ils opéraient dans une Clio blanche qu'ils avaient volée et habitaient Didier. L'enquête a démontré que les faits ont été en réalité commis par deux équipes distinctes, mais en provenance toutes les deux de Sainte-Lucie. Les délinquants arrivaient de l'île voisine avec de la drogue et des armes. Ils faisaient une liaison avec des Martiniquais qui assuraient la logistique, tandis que eux effectuaient les braquages. Ce qui était volé au cours de ces braquages, c'était essentiellement des deux-roues qui étaient ensuite exportées vers Sainte-Lucie. Plus de 40% de l'eau potable de la région Kassem est perdue dans le réseau avant d'arriver à nos robinets. Ce sont les statistiques établies par l'Office de l'eau de Martinique, ODE. C'est une loi européenne qui devra s'appliquer en France. Les permis de conduire ne seront plus valables que durant 15 ans pour les motos, les voitures et les tracteurs et 5 ans pour les camions et les bus. Les bilans de santé seront obligatoires lors de la délivrance et du renouvellement de ces permis. Après plusieurs reports, le PDG d'Air Caraïbes caressait l'espoir d'un redémarrage de l'entreprise avant les fêtes de Pâques. Lors d'un récent passage à Saint-Martin, le ministre délégué au transport s'était lui aussi montré optimiste. Pourtant, rien ne s'est passé et rien ne semble vouloir se passer prochainement. Les avions de cette compagnie sont toujours au sol. On le sait, le principal actionnaire d'Air Antilles, c'est la collectivité territoriale de Saint-Martin, mais l'opposition dans ce territoire d'outre-mer
est hostile à la participation de la collectivité à cette entreprise qu'elle qualifie de « gouffre financier ». Il est vrai qu'entre frais de parking, maintenance, frais de personnel ou remboursement de prêts, on parle de 700 000 euros par mois. Et puis, c'est hier, mardi 16 avril, que s'est terminée l'exposition des photos de John Gormack, un photographe amateur, à la bibliothèque municipale des Trois-Îlets. Maryse Condé a donc eu les honneurs de la République, au point que certains réclament qu'elle soit enterrée au Panthéon. C'est de bonne guerre, un Martiniquais, Aimé Césaire, s'y trouve déjà, même si c'est de façon symbolique, il faut donc un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne. Le pire serait, bien entendu, que le gouvernement accède à cette demande. Cela montrerait le mépris dans lequel on nous tient, car c'est une forme de mépris que d'accéder à certaines sollicitations, un peu comme le propriétaire d'un petit chat qui lui donnerait une friandise pour lui faire plaisir. Tant il est vrai que Maryse Condé, grande écrivaine, grande romancière, grande autobiographe, n'est jamais apparue comme ayant rendu un service exceptionnel à la France, ni d'ailleurs à son pays, la Guadeloupe. Avec la négritude, Aimé Césaire a soudain mis la France en face d'elle-même et il a restitué les nègres à leur négritude. Dès lors, il a incontestablement marqué son époque, tant avec le discours sur le colonialisme qu'avec le cahier d'un retour au pays natal. D'ailleurs, le président de la République ne s'y est pas trompé, c'est à la Bibliothèque nationale qu'il a rendu hommage à Maryse Condé en présence de nombreuses personnalités, notamment ultramarines, fières et à juste titre, de voir honorer l'une des leurs. Il y avait notamment Lilian Thuram, Laurence Théatin, Harry Roselmack, Christiane Taubira, Jean-Marc Ayrault, l'actrice Firmine Richard, la réalisatrice Eusanne Palsy et la chanteuse lyrique Marie-Laure Garnier. En tout, près de 300 personnes, parmi lesquelles des membres du gouvernement, Gabriel Attal, le Premier ministre lui-même, la ministre de la Culture Rachida Dati ou la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, ainsi que des élus d'Outre-mer, Christian Baptiste, Annick Petrus et Harry Chalus. Demain, jeudi 18 avril, de 9h à 13h à la Maison de la Culture, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, en partenariat avec la ville du Lorrain, organise une rencontre à l'attention des commerçants du bourg du Lorrain pour échanger avec eux et recueillir leurs besoins. Concernant la loi sur l'indivision, dite loi Letchimy, il semble que le gouvernement souffle le chaud et le froid. C'est en tout cas ce qui ressort du communiqué que nous a fait parvenir la collectivité territoriale de Martinique. Citons-le. La loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé, parue le 9 avril 2024, a entériné la prolongation du délai d'action jusqu'en 2038 au lieu de 2028 de la loi dite loi Letchimy qui vise à faciliter les conditions de sortie de l'indivision. La collectivité territoriale de Martinique se félicite de cette prolongation qui renforcera l'application de la loi du 27 décembre 2018 dite loi Letchimy et contribuera au déblocage de nombreux problèmes de succession qui touchent plus de 40% du foncier privé en Martinique. Par ailleurs, plusieurs mesures ont également été arrêtées pour une simplification des procédures administratives et un meilleur contrôle des mécanismes de succession. Voilà donc ce qui convient au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Et voici maintenant ce qui ne lui convient pas. La collectivité n'approuve pas que cette loi du 9 avril, dans son article 51, réduise, sous certaines conditions, le temps de prescription acquisitive de 30 ans à 10 ans. Ce délai de 10 ans ne répond nullement aux enjeux locaux liés aux problèmes de filiation en Outre-mer et à l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui. La diminution de la période de prescription risque à la fois de compromettre la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la procédure et d'aggraver le désordre foncier.
Aujourd'hui, il s'agit plutôt de renforcer et d'encadrer les contrôles pour éviter tout abus et les drames qui en découlent. La collectivité territoriale de Martinique est donc fermement opposée à cette réduction de la période de prescription acquisitive susceptible de créer des situations dangereuses. Fin de citation. Et c'est donc signé de la CTM. Rappelons ce qu'est la prescription acquisitive. Une personne utilise un bien immobilier dont elle n'a pas officiellement la propriété. Si ce bien n'est pas revendiqué par d'autres personnes, elle peut en revendiquer la propriété au bout d'un certain temps prévu par la loi. Nous vous en avons parlé, la Chambre d'agriculture organise d'avril à juin les états généraux de l'agriculture de la Martinique, un espace d'échange où toutes les agricultrices et tous les agriculteurs qui souhaitent partager leur vision et apporter leurs éclairages auront la parole. 5 rencontres sont programmées par zone géographique sur l'ensemble du territoire. La première de ces rencontres aura lieu demain, jeudi 18 avril, de 16h30 à 19h30 au réfectoire à l'ancienne cantine centrale à la cité Étoile à Sainte-Marie. Et rappelons que c'est ce mercredi 17 avril de 18h à 20h au restaurant Saint-James que la ville de Sainte-Marie et le conseil citoyen convient la population à un atelier d'échange concernant le réaménagement du front de mer de la commune. L'entorse de la cheville est la blessure la plus fréquente, mais elle n'est pas aussi bénigne qu'on le croit souvent. On estime que près de 70% de la population a déjà subi une entorse de la cheville et que celle-ci représente à elle seule 25% de l'ensemble des traumatismes chez le sportif, surtout quand on pratique le basket, le handball, le football ou encore les sports de raquette. Le plus souvent, la lésion est due à un mouvement excessif associé à une rotation du pied vers l'intérieur. Il s'agit alors d'une entorse latérale. Les spécialistes parlent d'inversion de cheville, mais ils alertent aussi sur ce qu'ils appellent la cascade catastrophique de l'entorse de cheville. En effet, plus de la moitié des patients, voire 70% dans certains sports, subiront une récidive dans l'année suivant le traumatisme. Et 40% des entorses vont se transformer en instabilité chronique de la cheville qui peut aller jusqu'à l'arthrose précoce avant 50 ans et qui concerne 10 à 40% des patients qui ont subi une première entorse. Lorsqu'on connaît l'importance de l'activité physique pour la santé, on comprend pourquoi cette instabilité de la cheville devient problématique. Par ailleurs, le système de santé publique dépense en moyenne 1 000 euros par entorse et on dénombre près de 6 500 consultations par jour aux urgences pour des entorses de cheville. Tout cela mis bout à bout représente plus de 2 milliards d'euros par an, auxquels viennent s'ajouter les coûts du traitement des arthroses de cheville, dont 70 à 80% sont d'origine traumatique. Les causes indirectes de cette blessure a priori banale finissent ainsi par dépasser plusieurs milliards d'euros chaque année. Pourtant, on pourrait éviter ou tout au moins limiter cette cascade catastrophique en consultant un médecin juste après le traumatisme. Or, seul un tiers des patients consultent et moins de 3% suivent une rééducation. Il est vrai que peu de médecins prescrivent une rééducation. Ils recommandent une simple mise au repos, souvent insuffisamment respectée, surtout par les sportifs. Il faut faire particulièrement attention aux entorses de l'articulation entre le tibia et le péroné. Ce type d'entorse touche surtout les personnes pratiquant les sports de contact, rugby, football américain, mais également le ski. Elle exige une immobilisation stricte de la cheville. Et même dans le cas d'une prise en charge non chirurgicale, les délais de reprise sont généralement 3 à 5 fois plus longs que pour une entorse latérale. Il existe maintenant un outil AnkleGo, constitué de plusieurs tests et questionnaires, qui permet d'évaluer la stabilité fonctionnelle de la cheville et de repérer les déficits encore présents chez les patients.
Cet outil est complété par une application gratuite à destination des professionnels de santé qui facilite le recueil des données. Les analyses scientifiques récentes indiquent que les patients présentant de mauvais résultats à cette évaluation ont un risque 9 fois plus élevé de se blesser à nouveau. D'où l'importance de consulter systématiquement un professionnel de santé lors de traumatismes à la cheville afin de savoir de quel type d'entorse il s'agit. C'est le meilleur moyen d'éviter une cascade de problèmes catastrophiques tant pour la santé des personnes que pour les comptes de la sécurité sociale. C'est demain, jeudi 18 avril, que la SARA va réaliser un exercice de sécurité de 8h à midi, mais tout ne se passera pas à l'intérieur même de l'entreprise. Tout l'environnement sera concerné, en particulier la circulation risque d'être perturbée dans cette zone. Rappelons que jusqu'à dimanche, le 21 avril, la ville du Carbet accueille le Festival des arts du cirque et de la rue, les Artichauts. Lors des premières journées consacrées essentiellement aux scolaires, des ateliers et des jeux d'initiation sont proposés sur la place des Caraïbes. Ce mercredi et jusqu'à vendredi, les ateliers autour de disciplines artistiques telles que le cirque, la musique et le théâtre se poursuivent aussi bien en direction du grand public que des scolaires. De nombreux spectacles sont prévus. La manifestation va se terminer par un grand show final ce week-end. Les statistiques de l'INSEE sont arrivées et elles sont plutôt accablantes pour la Martinique dans le domaine sportif. En effet, en 2022, la Martinique affiche un faible taux d'engagement sportif avec 98 licences pour 10 000 habitants. Elle se classe parmi les régions françaises les moins sportives, si on peut dire. Elle est juste derrière la Guadeloupe, qui, elle, compte 102 licenciés pour 10 000 habitants. En France, c'est 159. La Martinique compte pourtant 670 établissements sportifs. On observera que les femmes participent moins que les hommes aux activités qui nécessitent une licence, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que l'on peut faire du sport sans être licencié. Du 15 avril au 17 mai 2024, Cap Nord invite les Martiniquais et les visiteurs à découvrir la richesse gastronomique du nord de la Martinique. Une opération financée par des fonds européens. Il faut savoir que dans le nord de la Martinique, il y a 500 entreprises dont l'activité est liée à la restauration. Une aide ménagère de 46 ans œuvrant à domicile chez des personnes âgées a été jugée par le tribunal correctionnel. Entre septembre et 2022, elle s'est servie dans les comptes en banque ou dans les tirelires de personnes chez qui elle travaillait, au Marin, à Ducos, au Saint-Esprit et à Sainte-Luce. Sur le compte de l'une de ses clientes, elle a dérobé près de 12 000 euros. Elle ne s'est pas présentée à son procès. Le procureur de la République a requis 24 mois de prison ferme avec incarcération immédiate. La décision sera rendue le 22 avril 2024. Vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. La question de cette semaine, nous manquons d'eau. Qu'en pensez-vous? Nous vous écoutons. Nous manquons d'eau, qu'en pensez-vous? On ne manque pas d'eau en Martinique. Alors par contre, la distribution d'eau dans les foyers, c'est à revoir, ainsi que le prix de l'eau dans le magasin. Ça non plus, je pense qu'il y a matière à discuter. Je pense qu'en fait, tout simplement, on ne manque pas d'eau en Martinique, mais il faut revoir la structuration de la distribution de l'eau. On ne manque pas d'eau, mais c'est la manière de capter l'eau, utiliser l'eau, qui pose problème en Martinique. Donc, nous avons donc les infrastructures qui sont en très mauvais état et nous avons beaucoup de pertes d'eau. Et donc, c'est pour cela
que les Martiniquais n'ont pas d'eau. Mais il va falloir qu'on fasse attention parce que les gens commencent à monter au créneau, donc ça commence à gronder dans les familles, donc ça peut être très délicat pour les municipalités, pour les maires, pour ceux qui sont qui ont la gestion de l'eau. Et un autre problème, c'est que nous avons trois structures qui s'occupent de l'eau. Nous avons trois prix de l'eau. C'est pas normal. Il faut qu'on arrive à une seule entité de l'eau, à une entité unique de l'eau, pour que nous puissions avoir un prix de l'eau unique en Martinique. Oui, il y a le problème de l'eau. Il y a un moment où on va faire ça, il n'y a pas jamais résolu le problème. Depuis qu'on est arrivé, tout le problème de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas jamais rien avec l'eau. Actuellement, nous sommes en période de sécheresse, je crois. Je crois bien qu'il manque un peu d'eau, oui. D'ailleurs, il y a des coupures en ce moment, je crois. Mais par exemple, là où tu habites, ça va encore. Alors pour le moment, non, je ne suis pas concerné directement par les coupures d'eau, mais en tout cas au quotidien, on est quand même récemment informé par les fournisseurs en eau potable de coupures alternatives, quoi. Nous manquons d'eau, qu'en pensez-vous? Depuis là où la sécheresse prend, quand nous avons donné le fil de l'eau tout partout, il n'y a pas qu'à réparer. Moi, pour l'instant, je n'ai pas ressenti le manque d'eau. Depuis que je suis arrivé, l'été dernier, je n'ai pas ressenti le manque. Là, on commence à avoir quelques coupures, mais j'en ai pas eu énormément. Oui, je pense qu'on manque d'eau en Martinique par rapport aux rivières, les sécheresses, et puis quoi encore plus que la nappe phréatique, et puis les coupures d'eau incessantes. Je pense aussi que ça peut agir sur le manque d'eau. Les coupures d'eau, notamment en ce moment où à Chelcher, ils ont dit qu'il va y avoir des coupures d'eau, donc on ne sait pas à quel moment. Donc ce matin, la pression avait baissé, la pression d'eau énormément. Alors on dit qu'il n'y aura pas d'eau, par exemple le vendredi, on s'aperçoit que l'eau continue à couler et que 2 jours après, on peut arrêter l'eau sans vous prévenir. Je dirais oui et non. En tout cas, je pense que peut-être elle est très mal utilisée. Hier soir encore, alors qu'il y a des restrictions de la préfecture, je regarde un monsieur qui était en train de laver ses voitures. Et bon, c'est pas très respectueux, quoi. On pourrait l'utiliser différemment. Alors, c'est vous. Certainement, on en manque. Certainement, on en manque. Mais une utilisation un peu plus correcte et écolo serait certainement plus judicieuse. Vous avez la parole. La rubrique, comme son nom l'indique, vous donne la parole dans notre journal. Un grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à notre question. Passons savoir et réfléchir de Roland Laouché, la faillite de l'État. Récemment, le chef de l'État a organisé une importante réunion sur un sujet très particulier, puisqu'il s'agit de savoir comment l'État français va faire des économies pour ne pas se trouver en situation de faillite. Bien entendu, nombreux sont ceux qui se disent qu'un État ne peut pas être en faillite, puisque précisément, c'est un État. Ils ont raison. Raison et tort à la fois. Raison parce qu'un État ne pourra pas être mis en liquidation judiciaire et finalement disparaître, comme il peut en être d'une entreprise en faillite. Et ils ont en même temps tort, car l'État peut bel et bien être en faillite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire face à ses obligations. Dès lors, simplement, c'est ce mot-là, le mot faillite, qui n'est pas très approprié. Reste qu'un État, c'est une entité juridique et territoriale, comme une entreprise, qui perçoit des revenus comme l'entreprise, et qui doit dépenser de l'argent pour toutes sortes de raisons, comme une entreprise. L'entreprise dépensera son argent pour acheter la matière première dont elle a besoin, pour fabriquer ses produits, payer ses salaires, rembourser ses prêts. L'État, lui, dépensera le sien pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, ou verser des rémunérations ou des pensions. Mais il dépensera. Il faut donc qu'il ait de l'argent. Et s'il n'en a pas, s'il n'a pas cet argent, on dit qu'il est en faillite.
Et c'est précisément pour tenter d'éviter cette situation qu'a eu lieu la réunion que nous vous signalons. Il faut à l'État français aujourd'hui gagner de l'argent pour faire face à ses obligations. Et toute une génération de Martiniquais, celle qui a un certain âge, sait, parce que leurs parents le leur répétaient à longueur de journée, que le premier argent que l'on gagne, c'est celui que l'on ne dépense pas. Et c'est exactement cette maxime que le gouvernement est sur le point d'appliquer. Dépenser le moins possible pour être le plus riche possible. Mais il semble avoir également décidé de gagner également plus d'argent, et en particulier en demandant aux collectivités locales de lui en verser davantage. Et c'est là, bien entendu, que cela nous intéresse. Car si nos collectivités doivent donner davantage d'argent à l'État ou en recevoir moins, elles en donneront forcément moins aussi à leurs administrés. Elles rempliront moins bien leurs missions auprès de ces derniers. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'axe politique essentiel de l'équipe qui dirige aujourd'hui la Martinique, c'est l'évolution institutionnelle. Et on sait à quel point elle tient, cette équipe, à ce que cette évolution institutionnelle ne se fasse pas au détriment du niveau de revenus que nous avons actuellement. Mais, répétons-le, le gouvernement a de sérieux problèmes d'argent. Ne va-t-il pas saisir l'occasion de négocier dans les termes suivants, par exemple? Plus de pouvoir, mais moins d'argent. Avec sous-entendu ceci, si vous voulez gérer vos affaires vous-même, c'est que vous estimez être plus capable que nous. Être plus capable que nous, ça veut dire déjà que vous êtes capable d'atteindre le même résultat que nous, mais avec moins d'argent. C'est ça qui pourrait prouver que vous êtes meilleur que nous. Alors, il faudra répondre que ce que nous souhaitons, c'est faire mieux, mais avec le même argent. La négociation, pour reprendre le mot de Serge Letchimy, risque d'être plus dure, très dure, avec un gouvernement désormais aux abois. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, pour terminer ce journal, la rubrique santé nous parle des ordinateurs et de la vision. Les technologies informatiques ont évolué à une vitesse fulgurante. Très rapidement, le nombre de personnes travaillant sur ordinateur s'est accru considérablement. Or, en partie, nous savons très peu de choses concernant les risques pour la santé de cette nouvelle façon de travailler, et en particulier sur d'éventuels troubles de la vue. Cette étude menée par une équipe de chercheurs japonais a porté sur une population de 10 000 personnes âgées entre 23 et 53 ans. Après un examen ophtalmologique complet, les volontaires ont répondu à un questionnaire permettant de définir précisément le temps passé devant un ordinateur. Au final, les auteurs observent une relation positive entre les troubles du champ visuel et la fréquence d'utilisation d'un ordinateur. Les anomalies de la vision diagnostiquées chez 522 sujets sont plus fréquentes chez les personnes passant une grande partie de leur temps devant un écran d'ordinateur. Cette corrélation est valable pour les troubles du champ visuel et le glaucome, mais elle est encore plus forte chez les volontaires qui souffrent de myopie et chez ceux qui sont amenés à s'approcher très près de l'écran. Va-t-on devoir apposer une mention particulière sur les ordinateurs de type « peut endommager la vue » Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Pour l'instant, la réalisation d'études complémentaires est nécessaire pour confirmer ce résultat. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Pierre Laouchevitz, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25, disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et également sur notre site kmttelevision.fr. Passez une agréable soirée et que Dieu garde la Martinique.